retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif dédié à la couture et au tricot. Je m'appelle Elena, A Want to Needle sur différents réseaux sociaux et je vais donc vous parler de mes exploits en couture et en tricot. Les exploits de ces derniers, de ces deux derniers mois je crois, puisque ça fait à peu près deux mois que je n'ai pas tourné de podcast créatif. Et voilà, alors il y en a un peu, j'ai une petite pile d'affaires à côté de moi, c'est pas non plus extraordinaire, mais j'ai avancé quand même, j'ai eu le temps de tricoter un petit peu, de coudre un peu, et j'en suis ravie. Bon, tout n'est pas un grand succès comme vous allez le voir. Je vais commencer par le tricot, et je vous parlerai ensuite de couture. Je vous mettrai donc j'indiquerai le temps à partir duquel la couture va commencer pour ceux qui ne sont pas intéressés par la partie tricot. Donc, les projets en tricot. J'ai trois projets à vous montrer. Trois projets qui ne sont pas terminés. Enfin, le premier l'est à moitié, mais va être fait, donc ne l'est pas. Et je vous en parle quand même. Donc, mon premier projet, c'est le pull Ursa de Jacqueline Sieslak, je crois, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un pull qui est assez large, assez ample, cropped, court, qui arrive juste sous la poitrine, et qui est tricoté en grosse laine, avec des aiguilles, enfin les aiguilles préconisées sont des aiguilles de 6,5 mm. Donc voilà, je l'ai tricoté là à la fin de l'année dernière. Je l'ai tricoté et ça n'a pas été un grand succès pour l'instant. Alors, je vais commencer par vous parler de la laine. La laine, c'est une laine qu'on m'a offert il y a quelques années, que m'a offert mon frère et sa femme après avoir visité une ferme d'alpaca dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et donc ils ont acheté de la laine qui a été faite là-bas, sur place. Ça s'appelle Nafabo. C'est fait à la Naturfasermühle. Ça vient du Bad Württemberg, pour ceux qui connaîtraient. Et donc c'est une laine en alpaca qui est hyper hyper douce, très agréable. Il y a 100 mètres, non, dans un écheveau on a 100 grammes pour 115 mètres. Donc c'est une laine vraiment très douce. Ça faisait quelques années donc que je l'avais, il m'avait offert 4 écheveaux et je ne savais pas trop quoi faire avec ces 4 écheveaux, donc je les avais en tête depuis un moment. Mais voilà, je voulais pas faire, j'avais pas forcément envie de faire des accessoires avec, en même temps pour un pull entier ça suffisait pas tout à fait. Et du coup, quand j'ai vu plusieurs personnes tricoter le Ursa, je me suis dit « ah oui tiens ». Avec ces laines, ça pourrait aller, c'est peut-être le bon projet. En plus, j'avais juste assez, en fait, pour l'instant, il me reste ça. Donc là, à peu près la moitié d'un écheveau. Et donc, voici la bête. Alors, ça se tricote assez vite, hein, avec des aiguilles de cette taille-là, c'est agréable, ça va très vite. Pour vous présenter le modèle, donc c'est un modèle cropped, hein. On commence par le haut vers le bas, ça se tricote en rond, sans couture, et on a un point de demi-brioche qui s'appelle, qu'on retrouve ici devant, qu'on retrouve derrière, dans le dos, au milieu du dos, et sous les bras. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien là, parce qu'avec la lumière ça va peut-être pas très bien, mais... et sur l'avant, on a cette espèce de motif en triangle, donc blanc-colure et en V. Et puis on a ce motif inversé, enfin en miroir, avec un triangle, avec ce point de brioche. Voilà, en fait, à chaque rang, on a le point de demi-brioche, hein, il s'appelle, qui est au milieu, et puis à chaque rang à partir d'ici, on rajoute une maille en point de brioche de chaque côté. Et puis normalement, on fait ça derrière aussi, sauf que moi je me suis plantée,
Je m'en suis rendu compte que tout à la fin, que j'avais zappé de faire ça. Et moi, je pensais que c'était juste que derrière, on faisait juste ça comme ça. Et bon, bah voilà, hein, j'ai fait comme ça. Alors, il y a deux choses qui ne vont pas très bien avec ce pull. C'est que les manches sont trop serrées. Et je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'avais fini les tricoter, à ma défense, je ne les ai pas essayés pendant que je les tricotais parce que c'est vrai que ça se tricote quand même assez vite. Et ensuite, j'ai fait plusieurs fois le rabat sur la fin. La première fois, il était trop serré. J'avais fait un rabat normal comme je fais d'habitude, pas élastique. C'était trop serré. Du coup, je l'ai refait. J'ai fait un rabat élastique. Mais du coup, maintenant, quand je le porte, bah, il se rebique. Donc, ça fait assez moche. Donc, je pense refaire le rabat. Je ne sais pas encore très bien comment. Je vais regarder si je trouve une méthode plus adaptée. Je vais peut-être le refaire avec ma méthode habituelle, mais en essayant de le faire un tout petit peu plus lâche pour qu'il ne soit pas trop serré. L'autre chose qui ne me plaît qu'à moitié, c'est en fait, c'est qu'avec une grosse laine comme ça, avec des grosses aiguilles, toutes les petites imperfections se voient beaucoup plus. Et notamment au niveau du col, j'ai En fait, je trouve que j'ai des bouts de laine qui ressortent. Alors là, ça se voit sans doute pas très bien sur la vidéo. Mais en fait, ouais, je pense qu'il faut faire vraiment attention que toutes les imperfections se voient très très vite. Et du coup, enfin, il y a pas mal d'endroits où j'ai des mailles qui ont été mal reprises ou qui étaient un peu trop serrées ou un peu trop lâches. Sous les manches, par exemple, il va falloir clairement que je resserre ça. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un souci. Oui, ça c'est des faits. Enfin, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Bah, je vais le mettre. Je vais le mettre tout de suite, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez que les manches sont un peu trop serrées. Malheureusement. Voilà. Alors, le souci, c'est que si je veux porter quelque chose en dessous, ça va pas être possible. C'est quand même trop serré. Donc, je pense refaire les manches. Et donc, on a un pull qui arrive sous la poitrine. Alors, en soi, le modèle me plaît quand même assez bien. Donc, j'ai bien envie de refaire les manches en rajoutant quelques mailles pour qu'elles soient moins serrées. Parce que je pense que je pourrais le porter, surtout là, s'il fait un peu plus frais. Ça peut être sympa à porter avec une petite robe un peu marquée ou pas d'ailleurs. Bah avec un pantalon, je pense pas, mais avec une robe, je pense que voilà, ça peut aller bien. Donc voilà, le pull URSA. Ah bon, je vous montre ce que ça donne derrière puisque je vous ai dit que ça repiquait. Voilà, ça fait assez moche. Hein. Donc. Le rabat est à refaire. Voilà, bon, je le retire tout de suite. À propos de la couleur, donc c'est bah, enfin, c'est une laine qui n'est pas teinte, donc en couleur enfin, qui est naturelle. C'est pas forcément ce que je porte le plus, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Alors, mon deuxième projet dont je souhaite vous parler, c'est le gilet de throwback de André Amaury que je suis en train de tricoter, qui n'est pas tout à fait fini encore. C'est un gilet qui est sorti l'année dernière, je crois. Enfin, j'en ai déjà vu pas mal de versions sur les réseaux sociaux. C'est un gilet en jacquard et avec trois couleurs de jacquard, enfin une couleur principale et trois couleurs de jacquard. Qui se tricote du haut vers le bas, mais qui se tricote normalement en aller-retour avec une coupure au milieu. Et donc on fait des allers-retours. Moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que, alors tricoter le jacquard en poids, en maille en verre, je n'aime pas beaucoup le faire. J'ai déjà fait, hein, notamment sur d'autres modèles de la même designeuse, de André Amaury, sur le châle, le grand châle, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, il y a aussi du jacquard à faire en aller-retour.
J'aime pas trop faire ça. Et en plus, là, la mer de Jersey sur le bas, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, de n'avoir que des mailles en droit à faire. Et donc, j'ai décidé de le faire en rond, sans couture, sans rien, en rajoutant 7 mailles au milieu. Donc, une maille envers et 5 mailles en droit au milieu. Et quand j'aurai fini, je ferai un stick. Donc je découperai mon tricot. Après avoir sécurisé toutes les mailles, sans doute à la machine à coudre, ça peut se faire au crochet aussi. Le crochet c'est un peu plus joli, à la machine à coudre ça va plus vite. Voilà, donc on coupe. Alors on commence par sécuriser les mailles, on coupe et ensuite on rajoute des boutonnières. Donc à peu près en reprenant, enfin en relevant les mailles à peu près à l'endroit de la maille envers, là sur le côté. Et donc je trouve que ça va beaucoup plus vite à tricoter en maille en droit. Comme vous pouvez le voir, j'ai tricoté le corps en entier, j'ai tricoté une manche et il me reste maintenant une manche à finir. Ce qui devrait aller vite. Le souci, c'est que ce tricot commence à prendre pas mal de place et que autant au début je l'emmenais dans le train, maintenant il prend trop de place pour aller dans le train. Donc je ne les tricote plus qu'à la maison et puis ben, en ce moment. Le temps de tricot à la maison n'est pas énorme. Donc bah, il sera fini quand il sera fini. J'espère tout de même le finir avant l'hiver. Parce que c'est un tricot avec une laine qui est quand même assez épaisse, donc assez chaud. Et que j'espère bien pouvoir porter encore un peu quand il fera froid. Je vais le mettre rapidement, comme ça vous verrez ce que ça donne. Il est un peu large, hein. Mais ça me va bien. Je préfère, en tout cas pour les gilets, je préfère qu'ils soient un tout petit peu plus larges et que je puisse porter autre chose en dessous que le contraire. Ah, c'est un bout de laine. Donc voilà ce que ça donne quand il est porté. Je vais lever un tout petit peu. Voilà. Donc je l'ai fait un petit peu plus long que ce qui était préconisé dans le modèle. Parce que moi j'aime mieux. J'aime mieux quand ça descend un peu sur les fesses et sur les mains. Voilà. Bon, excusez-moi pour cette petite coupure, le téléphone a sonné. Et puis, par avance, désolée si vous entendez du bruit en arrière-fond, mais les petits garçons sont censés être à la sieste et je les soupçonne d'être réveillés. Enfin, surtout l'un des deux. J'entends des bruits de camions de pompiers qui sortent de sa chambre. Voilà, donc le throwback. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Donc la laine. J'ai utilisé de la laine de l'échappée laine de Sandra. Donc c'est la laine de sa marque, l'échappée laine, l'original. Donc c'est la laine en épaisseur DK. Et la couleur principale, c'est le coloris qui s'appelle charbon. Là, le rouge ici, une des couleurs contrastantes au milieu, c'est la couleur rouille. Et ensuite, j'ai rajouté du bleu et du jaune. C'était des laines qui me restaient. La bleue, c'est de la Drops. C'est de la Népal, je crois, de Drops qui me restait. Népal ou Lima, je ne sais plus. Enfin, épaisseur DK à peu près. Et puis la jaune, c'est de la laine que j'avais teinte moi-même il y a quelques années avec deux copines. On avait teint des laines avec des teintures végétales et. Voilà, donc il m'en reste toujours pas mal, mais j'arrive petit à petit à écouler ces laines que j'avais teintes et qui n'étaient pas toutes super réussies, mais petit à petit, en faisant des accessoires ou en les intégrant dans des jacquards, j'arrive à les écouler. Voilà, donc le throwback de Andrea Mori. Oh là là, ça va se défaire. Bon, le jacquard est pas encore très lisse là, mais c'est parce que je dois faire. Je pense que quand je vais le bloquer, il aura l'air plus. Enfin, il y aura un meilleur rendu, je pense. Ensuite, je voulais vous montrer mon deuxième encours. Alors moi, je suis plutôt mono encours, hein. J'aime bien travailler sur un projet à la fois et puis j'aime bien finir des projets. Comme je tricote pas. Je tricote pas mal, mais je tricote pas non plus tant que ça. Donc,
Donc si j'ai 5 en cours, clairement, il me faut 3 ans pour les terminer. Donc je préfère faire l'un après l'autre. Ça me prend 2-3 mois, mais au moins, voilà, au moins je le finis. J'en vois la fin. Mais en ce moment, j'ai quand même 2 en cours parce que le strobac, en fait, ne va pas dans le train. J'avais commencé cet autre pull avant, mais l'avait arrêté parce que je m'étais trompée qu'il fallait que je le refasse. Et puis après, je m'étais dit, bon, finalement, autant utiliser la laine pour le strobac qui est plus chaud, donc qui sera plus adapté en hiver, alors que cet autre pull est en fingering. Mais bon, voilà, donc là, je l'ai repris pour mes trajets en train. Parce qu'il prend moins de place que mon gilet à transporter. Alors, ce pull, c'est le pull Threshold de Mélanie Berg, qui s'appelle Merlin, je crois, Merlin sur les réseaux sociaux. C'est un pull qui est donc en fingering. Alors, est-ce qu'il y a des photos que je peux vous montrer? Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ça donne ça. En fait, donc c'est un pull en fingering qui se tricote encore une fois du haut vers le bas, en rond, sans couture. Et on a une espèce d'encolure bateau sur le haut et un motif. Alors, sur le haut, sur les. En fait, tout le haut, enfin, un espèce d'empiècement sur le haut qui va jusqu'une partie des épaules, enfin, qui descend jusqu'ici, qui se fait dans des côtes torses. En fait, on commence par le derrière, je crois, je sais plus. Ouh là là, j'ai perdu quelques mailles. On commence donc par faire le derrière, les côtes du derrière, ici. Ensuite, un peu de jersey en aller-retour, donc au niveau, surtout la longueur de l'emmanchure. Et après, on relève les mailles ici en haut, donc ce qui va être ici, hein. Pour faire le devant. Et donc, vous voyez, bah, l'encolure, c'est ça. C'est le trou là qui est au milieu. Je ne sais pas si elle est. Non, je pense qu'elle est finie comme ça. Et sur le devant, ensuite, il y a un espèce de motif avec des losanges que je n'ai pas encore commencé. Donc, vous verrez plus tard. Voilà. Le modèle est assez sympa. Si j'ai le temps, si j'y arrive, je vous mettrai les photos de ce modèle sur la vidéo. Sinon, je vous conseille d'aller voir sur Ravelry. Pour la laine, j'ai utilisé de la laine de Laine Amourée. Il faut que je retrouve la petite étiquette. Laine Amourée, c'est la Athéna, donc 100% mérinos. On a 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est la douceur matinale. Moi, c'est tout à fait ma couleur, ça. Hein. C'est vraiment ce que j'aime bien comme couleur. Je le tricote en aiguille. Alors pour l'instant, je suis sur des aiguilles 3,25, mais c'est juste pour le haut qu'on utilise enfin pour les côtes qu'on utilise des aiguilles un peu plus petites. Et ensuite, je passerai sur des aiguilles 3,5. La taille que j'utilise, c'est la troisième taille. Ça doit être c'est la 40. J'espère que ça m'ira. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais pour le gilet, pareil, j'utilise la troisième taille préconisée dans le patron. Voilà, alors c'est tout pour mes projets terminés, enfin mes projets en cours, je veux dire. Je voulais vous parler de mes nouvelles laines. Ce sac n'est pas rempli de laine, mais il y en a pas mal. L'automne dernier, je me suis inscrite pour un échange de calendrier de l'Avent qui était organisé par Claire du compte Lesfilé. Et donc le but, c'était de préparer un calendrier de l'Avent pour une personne on savait pour qui on devait le préparer, la personne ne le savait pas, et quelqu'un d'autre préparait un calendrier pour nous. On avait un budget qui était indiqué, donc à peu près 40 euros. Je soupçonne ma généreuse swappeuse d'avoir dépensé un tout petit peu plus d'argent. Et donc c'était un calendrier autour de la laine et on nous encourageait à rajouter un peu de gourmandise, un peu d'autres choses, voilà, des choses en rapport avec la laine, mais pas que.
Et dans ce calendrier, alors j'ai vraiment adoré l'ouvrir, c'est Virginie du compte qui s'appelle Fil et Cuisine, je crois maintenant. Elle a changé de nom récemment. Il me semble que c'est Fil et Cuisine. Donc c'est elle qui m'a offert ce calendrier que j'ai trouvé vraiment génial. J'ai adoré l'ouvrir tous les jours, ça a été un grand plaisir. Et donc j'ai eu un peu de laine. Alors, il y a eu d'abord ces deux pelotes de Ulysse, d'Hererum Natura, dont je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je pensais à un accessoire. Mais j'aime vraiment bien cette laine, j'aime bien. Enfin, je ne l'ai jamais tricotée, mais j'ai envie d'en faire quelque chose que je porterais vraiment. Pourquoi pas un châle, ou alors ce que je me disais, ce serait un pull, si je pouvais trouver un pull qui va avec cette laine et qui pourrait être, enfin un pull avec deux ou trois couleurs, je pourrais utiliser cette laine, ça me tente très bien. Donc il y a mes deux pelotes de Ulysse, il y avait une pelote de Mondine, qui est trop jolie, hein, dans une couleur que j'aime beaucoup. Ce genre de couleur un peu rouille, vous voyez ça assez souvent chez moi, je crois, en ce moment. Ça m'a l'air un peu plus pétant qu'en réalité sur la vidéo. Donc c'est la Retrosarios Rosa Sapomar, la Mondine. Ouais. Voilà, donc ça je suis bien contente. Hein. Je pense que ça va servir pour des chaussettes. Donc là, c'est marrant, j'ai une autre copine qui m'a offert aussi de la Mondine il n'y a pas très longtemps, avec assez colorée. Donc là, pour cette pelote-là, je m'étais dit qu'il faut que je fasse des chaussettes, mais avec pas beaucoup de motifs parce que il faut surtout que la couleur ressorte. Alors qu'avec celle-ci, j'ai bien envie d'avoir un joli motif parce que je pense que ça peut ressortir assez bien. Ensuite, il y avait plusieurs échevaux de mini qui sont trop jolis. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je suis certaine que je vais les utiliser parce qu'ils sont vraiment jolis, je trouve. Donc il y en avait un de By Night, Création, Nathalie. Un autre de Arcoris, Iris, un gris avec plein de speckles que j'adore. Et puis un autre de By Night, qui est un espèce de violet très foncé, très joli aussi. Et enfin, le 24, j'ai eu un écheveau entier de la pelote Vagabonde, qui apparaît très flou sur la vidéo, mais qui est assez jolie, hein, qui a un rose qui me plaît bien, un peu fuchsia. Et c'est la Journey, 75% Mérino Superwash, 25% soie. Et le coloris, c'est Mara des Bois. Voilà. Bon, ben bah voilà. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il sera utilisé, ça c'est certain. J'ai pas mal d'autres choses dans ce calendrier de l'Avent. Alors, j'ai présenté ça un peu sur Instagram au fur et à mesure. Je vous montre rapidement les choses que j'ai là encore. Alors, il y avait des gourmandises hein, qui ont été bues ou mangées, surtout bues, notamment l'été. Une petite règle avec donc, le trou là pour les aiguilles, un pompon, un flacon de lessive pour laver la laine. Avec de la lanoline et l'huile de pamplemousse. Des épingles pour bloquer ses tricots. De quoi faire des pompons. Alors ça c'est absolument génial parce que j'ai tricoté plusieurs bonnets récemment et que j'avais rien pour faire les pompons. Et j'ai fait ça avec des petits cartons et c'est quand même bien galère. Il y avait des cartes trop jolies avec Iron Yarn, Yarn Solo. Dr. Wool, alors ça, Dr. Wool, c'est génial parce que je suis complètement fan de Dr. Who, j'adore. Hein. Cusco. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le petit porte-clés avec la théière qui sert de maître, hein, c'est trop pratique. Des pins. Quelques pins. Un coupon de tissu pour du scrap, okay, pour du patchwork, je veux dire. Des boutons que je ne retrouve pas, qui ne sont plus ici. Et puis ce sac à projet avec une doublure trop mignonne. Et qui sera bien pratique et bien utilisé. Ah si, tiens, j'ai un des boutons. Ah oui. Oui, c'est au fond. Des boutons de Atelier Camélia qui sont trop trop jolis.
Voilà, je vous montre ça vite fait parce que j'ai mon petit bébé qui est de moins en moins bébé qui hurle et que je vais aller m'occuper de lui. Et puis je reviendrai plus tard tourner la partie couture. À bientôt. Bon, finalement, cette petite pause de quelques heures s'est transformée en une pause de plusieurs jours. Mais j'avais bien envie de finir mon podcast tout de même en vous présentant mes projets de couture. Ils sont à côté de moi et j'ai 3-4 projets à vous présenter. Donc, bon, je vais faire ça assez rapidement. Le premier, c'est la blouse Be Pretty. Donc c'est un patron de Atelier Skamit et le tissu que j'ai utilisé est un tissu Atelier Brunette. Et en fait, pour la petite histoire de cette blouse, je suis allée à Paris à l'automne dernier pour une réunion. Et il se trouve que ma réunion était pas très loin de la nouvelle boutique d'Atelier Brunette. Et que je n'avais jamais cousu aucun tissu de cette marque et que je m'étais dit bon bah c'est l'occasion d'aller voir cette boutique, surtout que j'avais bien envie de me remettre un peu plus à la couture. Et donc je suis allée dans la boutique, j'ai un peu flashé sur plusieurs tissus, notamment un tissu moutarde, twig ocre je crois que c'était, que j'ai transformé en robe. Et puis quand j'ai acheté ce tissu, en fait un petit pochon était offert. Et le pochon qu'on m'a offert était fait dans ce tissu-là. Or, j'ai trouvé... j'ai utilisé ce petit pochon comme sac à projet de tricot, je crois, pendant quelques semaines. Et puis, à chaque fois que je voyais ces petits pochons, je me disais, oh là là, le tissu, il est quand même trop beau. Et du coup, je suis retournée à la boutique quelques semaines plus tard pour acheter un coupon de ce tissu-là et pour le transformer en blouse. Donc la blouse, c'est la blouse Be Pretty, c'est un patron de blouse qu'on peut transformer en robe également. La première version que j'avais faite, c'était une robe. Il m'a fallu un coupon de tissu d'1,50 m pour cela, et je crois qu'il m'en reste un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors j'ai rajouté un petit passepoil noir ici. Donc cette blouse, ce qu'elle a de particulier, c'est ce petit empiècement là, ici en haut. En fait, cette coupure ici, ce qui fait qu'on voit... le patron est sorti il y a quelques années déjà, donc il y a pas mal de versions qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et les blogs et tout ça. Et parfois, c'est dans deux tissus différents ou alors avec un passepoil pour bien marquer la différence entre les deux tissus. Donc moi, j'ai décidé de faire juste ce passepoil. Qui ne se voit pas beaucoup du coup parce que c'est noir sur un tissu assez foncé, mais je trouve que c'est assez discret, ça se voit quand même un peu, enfin pour l'instant ça me plaît bien. Et puis voilà, derrière ça donne ça, donc on a cette espèce d'empiècement haut avec un pli creux juste en dessous. Donc voici la blouse portée. J'ai l'impression que la couleur n'est pas tout à fait la même sur le retour écran que j'ai sur la vérité, enfin en réalité. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus vert en vrai. Mais bon, voilà, ça vous donne une impression. Donc voilà, la blouse est assez ample, moi ça me va bien. Je trouve que les manches auraient pu être un tout petit peu plus longues pour moi. Alors j'ai les bras longs. Souvent je rajoute entre 2 et 5 cm aux manches, et là j'ai oublié de le faire. Peut-être que j'aurais dû. Sinon, j'ai quand même fait quelques petites modifications. J'ai rajouté 5 cm au niveau du buste. Donc pour que, voilà, parce que j'ai un buste assez haut, assez long. Et du coup, pour que ça descende à peu près au niveau des hanches et un peu sur les fesses, c'est nécessaire. Voilà, donc ma blouse Be Pretty de Atelier Skamit. Les deux prochains projets coûtent Cosette que je vais vous présenter sont issus du livre, sont des patrons d'Irendo qui sont issus du livre Dressed, donc écrit par Éléonore Klein et Camille Barraud, les deux personnes qui travaillent pour d'Irendo.
Voilà, je pense que si vous suivez un minimum les réseaux sociaux ou les blogs, vous avez forcément entendu parler de ce livre qui est sorti au mois de novembre, que j'ai acheté assez rapidement. Je ne suis pas du tout du genre à me jeter sur toutes les nouvelles sorties, mais ce livre me parlait vraiment parce que l'idée de coudre des patrons basiques, en ce moment, ça me va très bien, parce que j'ai pas le temps de coudre des patrons très compliqués. Et du coup, pouvoir me coudre des basiques qui tombent bien, voilà, l'idée m'enchantait. Voilà, je ne vais pas vous parler du livre en détail. Enfin, juste rapidement, il y a une première partie plutôt sur l'analyse de sa garde-robe, enfin, quel type de vêtements on a besoin, selon son emploi du temps, combien de vêtements différents il faut dans la semaine, quel type de vêtements on porte, quelles couleurs nous vont, voilà, définir son style, comprendre ses couleurs, faire la paix avec son corps. Enfin voilà, il y a toute une méthode pour analyser sa garde-robe et la planifier. Et puis, ah oui, ça parle de tissu aussi. Et ensuite, il y a 9 patrons qui ne sont pas disponibles dans le livre, ce qui avait donné lieu à de nombreux débats sur certains forums, je crois. Mais en fait, vous avez toutes les explications comment coudre ces patrons dans le livre. Par contre, il faut télécharger les livres sur Internet et les imprimer et les découper. Moi, j'ai aucun avis là-dessus. Enfin, je sais. Ce que j'ai pu lire de la part des deux personnes derrière Dirando, c'est qu'elles ont fait ça parce qu'imprimer 9 patrons sur des planches patrons sans superposer, parce que dans les patrons de Dirando, on n'a pas de superposition, c'était quasiment impossible. Enfin, c'était pas une bonne idée d'après elles. Du coup, elles ont opté pour la solution Internet. Alors, voilà, moi ça m'arrive. C'est vrai que j'aime bien acheter des patrons en pochette, mais ça m'arrive aussi d'acheter des patrons PDF. Et bah voilà, du coup je les ai imprimés, je les ai découpés et puis ça allait bien aussi. Donc j'ai fait deux patrons. Enfin, j'ai découpé deux patrons pour l'instant. Le premier, c'est la chemise, et ensuite j'ai fait le col montant. Je les ai fait dans les tailles 42, les deux fois, je crois, les deux. Je vérifie juste dans mes notes. Ah oui, non, la chemise, j'ai même fait 42 au niveau de la taille pour le haut et la poitrine et 44 pour les hanches. Ça me fait quand même très bizarre, hein, parce que moi, pendant des années, j'étais toujours sur du 38, 40. Bon, bah, en fait, dans les patrons de couture, souvent, j'utilise une taille un peu plus élevée que ce que j'achète dans le commerce. Mais voilà, j'étais plus sur du 40-42 en découpant des patrons il y a quelques années. Et puis ben maintenant, avec les grossesses, voilà, c'est 42-44. Mais donc, j'essaye de bien respecter, enfin de prendre mes mesures assez bien à chaque fois avant que je découpe un patron pour ne pas trop me planter là-dessus. Comme d'habitude, j'ai rajouté 5 cm au niveau du buste pour ces deux patrons. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Pièce de peinture, mon tissu. Ah oui, et pour le col montant, j'ai rajouté 2,5 cm au niveau des manches aussi. Bon, je vais aller mettre la chemise, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc voici la chemise, qui c'est un tissu un peu bleu canard. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai utilisé des boutons que j'avais en stock, qui sont pas tous pareils, pas tous tout à fait de la même couleur, qui font tous la même taille, mais il y a différentes nuances entre le beige et le marron clair. C'était un peu fait exprès. Hein. Enfin voilà, je trouve que ça rend pas trop mal. J'aime bien la forme de cette chemise, elle est assez simple, hein, avec ce col en V, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, moi ça me plaît bien. Elle est un peu ample, enfin voilà, c'est le style de la chemise, je pense que je vais la porter sans trop de soucis. C'est vrai que d'habitude, je porte des choses qui sont un peu moins amples, donc
Je sais pas encore si ça va me plaire à 100%, mais enfin, elle est confortable à porter dans tous les cas. Je l'ai déjà portée plusieurs fois, elle a déjà été lavée. Et voilà, enfin, je l'ai portée sans problème. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu en coton que j'avais dans mon stock. Je ne sais pas d'où il vient. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais. Je l'ai utilisé un peu dans l'idée d'en faire une toile pour avant de l'utiliser, enfin, avant de refaire cette chemise dans un tissu plus onéreux. Mais en fait, elle me va bien comme ça. Je pense que par contre, dans un tissu un peu plus fluide, vu qu'elle est ample, ça rendrait pas mal. Dans une, oui, une viscose ou. Enfin, voilà, un tissu un peu plus fluide, je pense que ce serait pas mal. Mais bon, comme je vous dis, je la porte sans souci. Voilà, donc ça c'est la chemise dressed et maintenant je vais vous montrer le col montant. Alors voici le col montant. Voilà, bah, on voit pas grand-chose. Alors, qui dit col montant, enfin moi j'appelle ça col roulé plutôt, mais il n'est pas roulé, il est col montant. Bon, bref, qui dit col montant dit la coiffure est partie complètement dans tous les sens. J'ai, voilà, j'ai, je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus, je l'ai fait en taille 42 aussi. Pareil, j'ai rajouté 5 cm au buste, j'ai rajouté 2,5 cm au niveau des manches, et ce qui fait des manches un peu longues, mais moi j'aime bien, justement, je préfère qu'elles soient un peu plus longues. Je trouve que voilà, elles vont assez bien les manches. Il est assez serré du coup, enfin il est parfait, il n'est pas trop serré, il n'est pas trop ample. Au niveau de la taille, moi ça me va très bien. Bah, le col, j'aime bien. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un jersey qui a été acheté je ne sais plus où non plus, qui était dans mon stock, qui est assez épais, du coup qui va être assez chaud, je pense. Alors voilà, les cols roulés, moi j'en porte très souvent, j'en porte toute l'année, sauf quand il fait vraiment chaud. Donc, pour le coup, c'est un vrai basique que j'utilise vraiment et je suis certaine qu'il va être porté. Alors là, je l'ai fait en bleu, j'en avais pas de bleu, j'en ai surtout des noirs et des blancs, parce que ça va bien en dessous d'autres pulls. Du coup, bah, maintenant j'en ai un bleu et voilà, enfin je pense qu'il va être beaucoup porté. Enfin, j'en suis même certaine. Et puis, du coup, il est pour moi, au niveau de la longueur, il est parfait. Comme j'ai rajouté mes 5 cm, il arrive au milieu des fesses. Alors que les pulls que j'achète dans le commerce sont parfois un petit peu courts pour moi. Dès que je me baisse un peu, ça remonte. Alors que là, le fait de pouvoir adapter ça à ma morphologie, ça fait qu'il y a plus. Enfin, voilà, je pense que je vais apprécier le porter. Voilà, donc ça, ce sont mes deux patrons dressed. J'ai prévu de coudre d'autres patrons de ce livre qui est quand même une vraie mine. Je crois que mon prochain projet, ça va être le pantalon. J'ai acheté un tissu d'ailleurs qui devrait être assez joli pour ce pantalon. Même si je suis pas tout à fait convaincue des versions que j'ai pu voir sur le net encore de ce pantalon. Alors j'espère qu'avec mon tissu, ça ira. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la jupe culotte que j'aime bien, donc j'aime bien les plis. Ça me fait penser un tout petit peu au short châtaigne que j'aime beaucoup. J'aime bien les petits plis qu'il y a devant. Je cherche à la retrouver. La jupe culotte, elle est là. Voilà. Donc là, c'est la version longue. Il y a une version courte aussi, il me semble. Moi, je ferais plutôt la version courte. Mais du coup, je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour ça. Et le pantalon, où est-ce qu'il est? Je vous montre rapidement les photos du pantalon. Si je les retrouve. La blouse, je vais trouver.
Le chemisier. Le pantalon. Voilà. Le pantalon, il est là. Donc, c'est un pantalon un peu chino, j'ai l'impression. Enfin, qui arrive aux chevilles, au-dessus des chevilles et qui est un peu large, enfin qui est pas moulant en tout cas, et avec une taille élastiquée. Du coup, voilà, je pense qu'il va être assez confortable, qu'il doit être assez confortable. Donc voilà, j'ai envie d'essayer le pantalon. Je dois dire que tous les tissus, tous les modèles proposés me plaisent assez bien. Enfin, ils sont tous assez basiques au final et je pense qu'ils peuvent être portés assez facilement. La seule question que je me pose, c'est par rapport au manteau. En fait, pour tout vous dire, j'ai acheté il y a 2 ans, je crois, un coupon de lainage hyper joli, framboise, une couleur framboise que j'adore. Mais donc, je ne sais pas encore très bien quoi faire et j'hésite à en faire. Alors, non, ils n'appellent pas ça un manteau, la veste. Sauf que. La veste me plaît et en même temps j'ai l'impression que ça fait un peu robe de chambre. Enfin, j'ai peur de l'effet robe de chambre. Enfin, moi j'ai une robe de chambre qui ressemble vraiment à la veste que porte Camille sur cette photo. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais pas essayer de trouver un patron un tout petit peu plus élaboré pour mon joli coupon. Mais par contre, cette version blanche que porte Elodie Blueberry, par contre, celle-là, je la trouve très chic et ouais, j'aime bien. Bon, bref, voilà. Je pense que ce livre va encore être pas mal utilisé. Pour tout ce qui est de la méthode et analyse de la garde-robe au début, j'ai lu rapidement les chapitres qui sont qui adresse ces thématiques. Alors moi, je ne suis pas du genre à planifier exactement ce que je vais porter à quel moment et je ne suis pas du genre non plus à changer 3 fois de vêtements dans la journée quand j'ai 3 choses différentes à faire. Donc j'aime bien, de manière générale, je porte des vêtements quand même assez, assez relax, assez casual. Sachant que je fais pas mal de télétravail et que quand je enfin même quand je vais au bureau, un jean et un sweat, ça va très bien. Quand j'ai des réunions, c'est un peu différent, je m'habille un peu mieux. Et d'ailleurs, je m'étais dit que je me coudrais bien une jolie veste parce que ça, j'en manque un peu. Et du coup, les blouses là pour le coup sont tout à fait appropriées pour des réunions professionnelles. Voilà, par contre, quand je rentre le soir, enfin, j'ai 2 jeunes enfants et c'est quand même bien plus pratique d'avoir des vêtements assez pratiques à mettre. Du coup, il y a toute une partie sur l'analyse de la garde-robe qui, moi, enfin, que j'ai trouvé intéressante à lire, mais qui ne me convient pas tout à fait parce que j'ai pas envie de planifier ce que je vais mettre, combien de vêtements il me faut dans la semaine. Et je ne suis pas non plus du genre à avoir 10 fois trop de vêtements. Même avant de me mettre à la couture, je n'étais pas une grande addict de shopping. Les vêtements que j'ai dans ma garde-robe, en général, je les mets. Et pareil, enfin, que ce soit avant d'acheter ou de coudre un vêtement, je me pose bien sûr la question de savoir si je vais le porter, dans quelles conditions, à quelles occasions. Et voilà, et là si je me couds un vêtement, c'est parce que j'estime que j'en ai besoin et que enfin, j'ai envie de le porter pour soit pour une occasion en particulier ou de manière générale, voilà, le col montant, je sais que je vais le porter vraiment régulièrement. Par contre, il y a toute une partie sur les couleurs que je trouve assez intéressante. Donc je ne me suis pas encore pris le temps de vraiment faire cette analyse, mais ça j'ai bien envie de le faire. Et puis voilà, c'est. Non, il y a aussi d'autres. Disons que oui, il y a quelques chapitres sur l'analyse de son style qui sont quand même intéressants. C'est vrai que moi, j'ai pas l'impression d'avoir un style vraiment particulier, un style vestimentaire. Peut-être parce que je m'habille, j'aime bien les vêtements vraiment confortables. Et en même temps, ça me va bien de mettre des vêtements un peu plus sophistiqués aussi parfois.
Donc, bon, voilà, c'est un peu un équilibre entre les deux que je dois trouver. Et certains chapitres du livre, pour ça, peuvent être assez intéressants. Alors voilà, ça c'était donc les patrons Dresde et puis le vêtement. Ma dernière cousette que je voulais vous présenter, c'est un sac qui est ici, qui provient d'un patron qui est dans le livre Making. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années. En fait, moi, je dis livre, c'est un. Je ne sais pas si on peut appeler ça magazine. Enfin, ça, vraiment le. Ça ressemble plus à un livre. Ça sort. Alors, c'est un magazine ou un livre qui est publié tous les semestres, je crois, par Mother Maid. Donc, c'est une designeuse de tricot américaine, je crois, qui s'appelle. Je ne sais plus son nom, mais qui a fait. Qui a créé des patrons de pulls notamment qui ont eu beaucoup de succès, qu'on a beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux et sur les blogs, que je n'ai pas tricoté, mais que j'aimais bien. Et donc j'ai acheté plusieurs de ces livres. Enfin, j'aime bien les choses qui sont proposées dans ces livres. Il y a quelques articles autour de. La nature, la consommation, les animaux, plein de choses. C'est assez intéressant. Enfin, la vie à la campagne, là en l'occurrence. Il y a des recettes que je n'ai pas testées. Et puis, il y a des patrons de tricot, d'accessoires, de vêtements, même de peluches parfois. Il y a. Je ne sais pas ce que vous en voyez là. Voilà, il y a des petits trucs sympas à réaliser. Bon, enfin, ouais, je me souviens plus exactement ce qu'il y a dans ce livre-là, mais il y a pas mal de patrons assez sympas. Et puis, il y a souvent un peu de couture aussi. Et donc, il y avait notamment ce sac. Donc, c'est un tote bag, hein, c'est un sac assez simple, un peu plus sophistiqué parce qu'il y a plusieurs poches. Donc, il y a une poche ici sur l'extérieur. Enfin, une grande poche qu'on sépare en deux avec une couture ici. Et une poche à l'intérieur. Une poche toute simple. Mais pareil, qui est séparée en deux. Donc voilà, ça fait deux poches à l'intérieur. On a une doublure à l'intérieur, un tissu extérieur. Et puis, la possibilité de faire le bas du sac dans un tissu contrastant. Et donc, moi, j'ai choisi un simili-cuir que j'avais en stock. Enfin, tout ça, c'est des tissus que j'avais en stock, parce qu'en ce moment, mon idée, c'est de réduire mon stock. Et donc, j'ai pris des tissus que j'utilisais pas trop, des chutes de tissus notamment. Ce lainage, je l'avais utilisé pour un manteau que j'ai très peu porté parce qu'il tombait pas très bien, mais c'était le premier manteau que j'ai cousu. Ce simili-cuir, je l'avais acheté en coupe, enfin, c'est un coupon que j'avais acheté il y a quelques années, justement, dans l'idée d'en faire un sac un jour. Donc, voici. J'ai fait les lanières aussi dans ce simili-cuir, j'ai utilisé le même coupon. Au début, je voulais les acheter, et en fait, quand j'ai vu les prix pour acheter ces lanières, je me suis dit, bon, soit j'achète directement un sac, soit je les fais moi-même, parce que ça vaut pas le coup. Et voilà, voici mon petit sac. Il est très pratique. Voilà, en fait, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'un sac de cette taille-là, à peu près, j'avais besoin de pouvoir mettre des livres, éventuellement un ordinateur. Et puis, bah, voilà, j'aime bien le fait d'avoir des tâches. La seule chose que je vais peut-être ajouter, c'est des pressions pour fermer, au moins une pression pour fermer ici le haut. Mais sinon, bah, il m'a l'air bien ce sac. Hein. Et puis bon, bah, après, c'est pas hyper compliqué à faire. Hein. C'est des parties, enfin des morceaux de tissu rectangulaires à découper. La seule chose, c'est de comprendre comment fermer le tout à la fin. Enfin, comment assembler le tout, mais voilà, c'est pas très très compliqué.
Et du coup, je ne vous ai pas dit le nom du patron, mais parce qu'il est assez simple et parce que j'ai oublié. C'est le Wool and Wax Tote et c'est un patron de Anna Graham. Je pense que des patrons pour des tissus, enfin pour des sacs dans ce style-là, vous pouvez en trouver assez facilement, voire gratuitement sur Internet, hein, des tutos sur des blogs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. J'espérais pouvoir vous présenter des nouveaux tissus que j'ai achetés très récemment, mais en fait ils sont en train d'être lavés, ils sont pas secs. Du coup, ce sera pour une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Je m'excuse de ne pas tourner de podcast plus souvent, mais je n'y arrive pas. Déjà, je ne suis pas sûre qu'en tournant beaucoup plus souvent, j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Et je m'étais dit à un moment que je pourrais essayer de tourner plus souvent et de faire des podcasts plus courts. Mais en fait... Le problème, c'est que je n'ai du temps que les week-ends, parce qu'en semaine, bah, quand je suis à la maison, souvent il fait nuit en ce moment, et que du coup la luminosité pour tourner un podcast n'est quand même pas géniale, et que bah, le week-end ça passe très vite. En fait, le seul moment calme où j'ai, c'est pendant les siestes, sauf quand il y a d'autres choses de prévues à ce moment-là. Et voilà, et du coup, bah, je ne peux pas faire ça toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, ni même tous les mois. Et donc je fais ça quand j'ai le temps et quand j'ai des choses à vous présenter. Mais je vous remercie parce que malgré tout, il y a quand même des gens qui regardent ce podcast et des gens qui laissent à chaque fois de très gentils commentaires. Et donc je suis toujours assez surprise et enfin, agréablement surprise de voir ça et je vous en remercie. Et puis je vous souhaite... une très bonne fin de semaine et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.